C'est Gary Lochard, un enfant du Bel Air, un enfant authentique du Bel Air, grandi au Bel Air. Et normalement, j'ai un parcours assez rectiligne. Moi, mal l'école au Bel Air, premièrement, mal l'école Jean-Marie Guillou, ensuite mal séminaire, ensuite monter dans la profession. La profession nécessitait que je batte mon formation juridique. Aujourd'hui, je suis marié. Donc, en fait, je suis c'est juriste de formation et notaire de profession. Et je dis à histoire pays, ça a passé dans le pays ici, il a interpellé mon premier chef, et c'est ça que je dis à moi, j'ai décidé que peut-être je vais vivre sur l'ensemble de ce qui a passé dans le pays, et particulièrement sur la Constitution de 1987, quoi que je dis à amender, que moi-même, j'ai des opinions là-dessus. Et me dit comme projet de société, Constitution de 1987, il y a un pile impair. Il y a un pile impair qui fait que j'ai écrit un post sur la Constitution de 1987, mais ni que j'ai partagé avec l'ensemble des forces vives de la nation, mais malheureusement personne n'a réagi sur lui. Alors moi-même, j'ai parlé plus de la Constitution, de réforme constitutionnelle, au lieu de parler d'amendement. J'ai parlé de réforme constitutionnelle, c'est parce que la Constitution en soi, les gains de bagaille n'ont pas tenu compte, mais estimé que c'était une Constitution qui était faite sur le coup de l'émotion. Le coup de l'émotion, nous sommes en dictature, il fallait rompre avec la dictature. Et donc, nous avons une constitution qui a tenu compte d'un ensemble de valeurs haïtiennes, c'est-à-dire la valeur culturelle, valeur ethnologique, valeur spirituelle, valeur confessionnelle. Enfin, tout était négligé dans cette constitution. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que nous demandons des réformes constitutionnelles. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, il faut accepter à l'inverse que la constitution a des bagages qui sont très intéressants à la donne. Et que nous avons toujours conservé, malgré que nous avons des réformes constitutionnelles, que nous avons toujours conservé parce que les consacrer effectivement une forme de décentralisation que nous n'avons jamais rêvé mettre sous pied et lui bail sous table une certaine liberté de mouvement, liberté d'action et liberté de penser. Bon. En gros, c'est ça lié, c'est qu'on s'allie, monsieur, nous pourrons faire un round-up sur la constitution et pourquoi pas sur ça qui a passé dans le pays éventuellement. Ok, Jamet, on se parle de constitution sur l'ensemble des valeurs qui ont été par rapport avec le président de la République, Jovenel Moïse, et qui a un mandat, un duré de mandat. Comment je parle de faire croire que le secrétaire général a dit par lui-même, sous mon parole, en décision pour dire mandat et chef d'État pays a fini 7 février 2022. Et, mon cher, la vérité, c'est pour que la situation que je suis très très bien. Monsieur Madame, quand je fais ma deux articles en constitution qui peut être d'actualité dans le cadre de débat qu'a fait là. Je regarde l'article 134.1, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections. Ça qui fait plus débat. C'est l'article 134.2 qui s'est désormais conçu, nous sommes dans la constitution amendée. Il dit que l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. Bon, pas même besoin de citer ça parce que je ne pas voulu rentrer dans le circuit ça que m'estimer sur échappatoire en plus que lié. C'est une manœuvre de diversion parce que normalement, mandat toute autorité, tout élu commençait le jour de sa prestation de serment. Donc, s'il prêtait serment en 2017, moi je suis d'avis, selon la Constitution bien entendu, moi je suis d'avis que le mandat fait pour 5 ans, c'est 7 février 2022. Bon, comme moi je dis, je ne peux pas trop appréhender des questions, je vais aller avancer trop là-dedans. Mais je me renferme dans deux articles, ça, comme je dis là, indépendamment de loi électorale, de décret électoral, de quelle élection est faite. Moi-même, je pars du principe que le président est prêté serment le 7 février 2017. Donc, si son mandat, selon la Constitution, selon l'article 134.1 de la Constitution, c'est à une durée de 5 ans, donc moi-même, ça, c'est mon avis. Et qui s'en aura dit, si tu crois que le président va respecter le processus? Mon cher, on prend la plus globalement. C'est une très bonne question. Et on prend plus globalement, moi, je pense que c'est Kounia Noite d'emblée dans le débat. Est-ce que de 1987 à jeudi, il y a une autorité qui j'aime respecter la Constitution? Ça, on dit que non. Péremptoirement, non. Pas de chambre d'autorité qui respecte la Constitution. Il n'y a pas seulement pas respecté la Constitution, il n'y a pas exécuté la Constitution de sa forme légale. Alors maintenant, on regarde ça pour la Constitution.
Au projet de constitution, c'est au projet de société lié pour le pays. Automatiquement, quand vous votez constitution, vous approuvez constitution rentre dans sa forme exécutoire. Vous êtes d'accord avec nous? Il est entré dans sa forme exécutoire. Maintenant, on regarde ça. Peuple a été voté, constitution, ça, peuple a été voté. Selon Maître Monfrey Dorval, qui référé au moniteur numéro 15 d'avril 1917. Monsieur dit au conseil que, Maître Monfrey Dorval dit au conseil que, les constitutions à voter, il y avait 1 260 980 électeurs qui ont voté. Il y a 2167 votes. Non? Il y a 187 votes annulés après ça, 1 260 900. Ça fait over 93% de la population qui a voté constitution. Donc, toute autorité qui t'a monté sous bannière constitution, ça, ou t'a obligé à appliquer ça parce que c'est ça, c'est désiré à ta nation, c'est ça, t'es voté, c'est ça, t'es voulu. C'est le modèle social, ça, qu'il t'a voulu en 1987. Et ça qui arrive. Côté moi-même, moi, je dis, c'est imposture, imposture à la constitution de 1987. C'est parce que on garde le serment prêté par le président de la République. On garde pour nous, nous crois c'est article 135.1, on garde pour nous sa président. Par président, non, pas maintenant sur 135.1, l'idiot, avant d'entrer en fonction, le président de la République prête devant l'Assemblée nationale le serment suivant. Je jure, lui jurer, lui fait serment. Devant Dieu et devant la nation. Et devant la nation, ça, qui vote et qui te vote, qui dit, mon cher, même modèle de société que je veux dire. D'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République. De respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Donc, c'est-à-dire, président Nouyo, automatiquement que vous montez officiellement pour observer fidèlement la Constitution. Est-ce que vous observez fidèlement la Constitution? Nous dit que non. Et n'a pas avancé, n'a plus devant la preuve. On garde pour député ou même à sénateur, mais qui sont au deuxième pouvoir, au pouvoir régalien de l'État. L'article 109, c'est à peu près le même serment. Député à sénateur. Les membres de chaque chambre prêtent le serment suivant. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Donc, M. Jodia, là, ça qui vient de passer, moi-même, je ne veux pas mettre non sous des bacs à Haïti. Pour me dire c'est président qui est responsable, pour me dire c'est député, je ne veux pas mettre non. Je préfère parler de système. Et le système s'est arrangé pour que les droits du peuple, justement, soient bafoués. Nous prenons le référé-nous pour nous comprendre ce qui est passé. Nous prenons le référé-nous à l'article 40 de la Constitution. Premier droit que vous bafouez. Que le système ça bafoué, pour un droit du peuple haïtien que le bafoué, c'est l'article 40 de la Constitution. Attendez. Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse, parler, écrite et télévisée. Là, là, on parle de l'État, moi je comprends que vous ne pouvez pas parler ni de président, que vous ne pouvez pas parler ni de sénateur, que vous ne pouvez pas parler ni de député, mais on parle là des forces vives de la nation qui avaient pour mission selon la Constitution. Un, soit au bail, je parle de partis politiques, je parle de leaders confessionnels, c'est-à-dire leaders religieux, c'est-à-dire en fait tout le monde qui peut-être sont des directeurs de conscience. Je dis obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée en langue créole et française aux lois, constitutions, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions. À tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. Donc, à partir de ce moment, c'est le premier abus, c'est le premier manquement qui est fait par la Constitution, c'est que ne pas faire éducation population pour qu'on doit, pour qu'on limite, et pour eux-mêmes, tu as défini l'initiale. OK. Maintenant, si on n'a pas avancé, nous parlons côté au bafoué le droit du peuple haïtien. Frère Bam, depuis en 1987, après la constitution, ça a fini de voter. Pourquoi je me suis dit toujours, pour moi, you moun, you groupe de moun, you parti politique, you l'église, you président, you député, you sénateur, you magistrat, you kazek, qui dit population, mais sortez voter, mais sortez attendre de chaque moun voter, de chaque autorité qu'on vote.
Nous prenons l'article 32 de la Constitution et suivant jusqu'à 32.9. L'article 32 de la Constitution se lit désormais comme suit. L'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État. 32.1. Attendez bien, monsieur. L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Puis devant, si nous regardons cette définie collectivité territoriale, collectivité territoriale, c'est KAZEC, c'est AZEC, ce sont les maires, c'est eux qui collectivité territoriale. Donc l'éducation sous charge de l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le Parlement, même le judiciaire. Mais maintenant, en plus la collectivité territoriale, ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous. Il faut mettre l'école gratuitement à la portée de tous et veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et non publics. C'est-à-dire qu'ils doivent faire ça. Même enseignants, ils doivent veiller à niveau de formation, c'est-à-dire de sorte que l'enseignant sera toujours apte à éduquer. L'article 32.2 de la Constitution, quand c'est pas sens moins, l'article 32.2 de la Constitution, il dit que la première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive. Monsieur, ça m'insister sur lui pour nous comprendre. La première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive. Seul capable de permettre les gens qui ont fait la Constitution, les gens qui ont voté la Constitution, seul capable de permettre le développement du pays, c'est la scolarisation massive. Est-ce que monsieur Gon, j'aime mon président qui dit nous ça? Bon, j'aime sénateur qui dit nous ça. Bon, j'aime autorité constituée dans le pays qui dit nous ça. Nous pas j'aime comme ça. Et je dis à là, je m'adresse à toute la population, que le soutien de yo, que la capitale là, que le fait partie de la classe moyenne, que le fait partie du prolétariat, je dis à ça, c'est ça que l'État fait nous, et c'est ça qui mène nous là, je dis à Libafoué doit nous. Donc, faut y continuer. Nous disons l'article 32.3. Se lit désormais comme suit. L'enseignement fondamental est obligatoire. Nous tous qu'on s'appelle l'enseignement fondamental, c'est de la première année fondamentale jusqu'à la huitième année fondamentale, qui est le niveau quatrième. Les fournitures classiques, excusez-moi, et le matériel didactique sont mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement fondamental. C'est-à-dire, monsieur, ça vous fait aujourd'hui, là, côté ministre, il y a l'école, président, il y a l'école, député, il y a l'école, sénateur, il y a l'école, vous montez l'école, ça, l'école au niveau fondamental, c'est gratis, et matériel de gratuitement, excusez-moi. Mais maintenant, monsieur, mais ça, l'État, ça a fait nous, fait population, il y a un bel noirceur, justement, pour être arrivé là avec elle. Il n'y a pas mal, rien comme éducation. Il n'y a pas même qu'on ait quelqu'un droit à l'éducation, alors que la Constitution consacrée. Monsieur Prati, pas ce moment, parce que nous, là, c'est pour ça, nous, là, pour nous entendre. Alors, on va prouver jusqu'à 32.9. Là. L'article 32.4 de la Constitution se lit désormais comme suit. L'enseignement agricole, c'est-à-dire au niveau de la province, l'enseignement agricole, là, on a parlé de production nationale, nous n'avons pas aidé ensemble de bagages comme ça. Ça me dit que cette diversion a créé parce que la production agricole professionnelle et technique est prise en charge par l'État et les collectivités territoriales. Monsieur, combien magistrats nous aiment parler, nous aiment entendre parler de l'école professionnelle, combien casques nous aiment entendre parler de l'école professionnelle, combien président nous aiment entendre parler de l'État qui doit mettre l'école professionnelle. Personne n'a jamais parlé de ça. L'article 32.5 de la Constitution se lit désormais comme suit. La formation préscolaire, c'est-à-dire la formation kindergarten et maternelle, sera prise en charge par l'État et les collectivités territoriales. Depuis que nous avons l'école, monsieur, l'État doit encadrer pour l'école. L'État doit encadrer pour l'école. Et ceci gratuitement auprès de l'État. Ben, maintenant, alors, ils veulent en société. Écoutez, tout le monde, les décideurs. Même il y a des intérêts privilégiés dans l'éducation, vous comprenez mal que je dis à pas qu'à faire promotion pour ça. Et c'est ça qui passe. L'article 32.6 se lit désormais comme suit. L'accès aux études supérieures est ouvert en pleine égalité à tous. 32.7 là beaucoup plus intéressant. L'idée que l'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d'établissements adaptés aux besoins de son développement. Mais monsieur, attendez-nous.
Si l'on parle de l'imposteur là, c'est pas un trop gros mot. Mais ou pas senti l'État du tout. Ou pas on nier que l'État a réglé, sinon que chaque confort l'anti-confort. C'est-à-dire il bénéficie des privilèges de l'État, de tous les privilèges. C'est comme si je t'ai dit, c'est deux mondes qui sont en haut, c'est deux colons qui sont totalement détachés du reste de la population. Donc quand d'autres termes, frère Pam, naturellement, pour me répondre à la question, non, jusqu'à la fin de bonne affaire suivante, pour me répondre à la question, non, mon cher frère Pam, moi je vous dis à la, moi je dis que formellement, il ne s'agit pas de la présidence qui va respecter la Constitution, il ne s'agit pas du Parlement qui va respecter la Constitution, il ne s'agit pas de la justice qui va respecter la Constitution, il ne s'agit pas de la collectivité, c'est le système, ce système de prédation que lié, ce système qui n'a pas dit tout le bagage, ça a l'agenda pour le régler pour le pays. Alors, pourquoi toute force au pied, le président Jovenel Moïse a accès à la légitimité pour le diriger le pays? Légitimité au côté aujourd'hui, légitimité, légalité, alors c'est pas voie électorale bien entendu, sur cette autorité élue, légitimité et légalité au prendre par les élections. Jusqu'à date, au cas traité président Jovenel Moïse de tous les maux du diable, au cas dit certains incompétents, moi-même je suis d'accord que certains incompétents, au cas traité de ignorant, mais sauf que, bon, par contre, comme je suis un citoyen comme tout le monde, bah, on dirait que moi, il y a l'élection, il a voté, il a le résultat, il a passé comme électeur, il a exercé. Il n'a pas exercé de force, il a exercé par les élections qui ont fait choix de lui comme président. Donc, automatiquement, que le légalité a une forme de légitimité populaire. Même si tu as dit que c'est 500 ans, le monde qui votait sur l'électorat de 4 millions. Est-ce que nous avons dit aujourd'hui que c'est à cause de monsieur pas appliquer la constitution qui fait société en rénovation? Mais il n'y a pas à sortir de là, mon ami. Attendez. La Constitution, elle trace la voie, le modèle social que nous avons besoin. Mais si je dis qu'on ne peut pas appliquer le mettre là, ou aller à l'antipode de la Constitution, mais le résultat est là. Je dis à là, le peuple, le pays n'a pas de c'est-à-dire, ou haïtien, pas de aucun droit. Moi, je ne peux pas la voie là. Moi, je crois que moi, à deux bras. Je me suis l'anticonfort, moi, comme notaire, comme moi, délibre, sans vouloir être mégalomane. Et je suis toujours, même si j'aime, dès qu'on mange pomme, dès qu'on mange pétard danois, je dis, je suis mangé au petit du riz, je suis mettre au tiers en soladène, je suis capable. Mais je dis, à la maman, regardez, maman, misère qu'il a à mettre là. Alors que la Constitution, tu peux voir le comportement de chaque autorité. Je dis, à la, c'est justement, c'est parce que nous ignorons sa Constitution. Quoi. Et par-delà, nous ignorer les droits du peuple qui fait nous, des sociétés, ça là, je veux dire. Nous, une société totalement disloquée. Et je vais vous expliquer une chose. Naturellement, là, nous allons faire un peu de littérature, un peu de philosophie. Maintenant, l'État n'existe pas. Et ça a imposé, nous, là, je veux dire, là. Sous fort petit coup d'œil à travers l'histoire, au bras l'ouest, je veux dire, là, n'a pas nagé en plein dans l'anarchie. Tel que peut-être au nom de Joseph Prudent et qu'on se voile, c'est-à-dire l'absence de l'État ou bien la suppression de l'État. Maintenant, ou bien encore, on a nagé dans la dictature du prolétariat avec Marx, Engels ou ensemble de bagailles comme ça. Donc, je veux dire, c'est ça, c'est la justice communautaire. Je veux dire, alors, je suis là, si je me prends des revolvers, je me prends des là, et puis la fini, c'est justice, pas me passer côté de l'IA. Nous, ouais, ça a passé, nous, pas étrangers, nous, vous êtes journaliste, ça a passé, et Tibois, chaque côté grand chef, Ravino chef, Stavio grand chef. Donc, nous sommes en plein dans l'anarchie, dans le chaos, et dans la justice communautaire, c'est classique, Nous, tout qui l'a dit, vous êtes jeunes, mais au moins, nous faisons un peu de littérature, nous connaissons que l'anarchie, c'est ça, lui. Et ça, le côté, bah, nous, c'est ça qui passe. Alors, ces résultats de comportement prédateur dirigeant nous, qui trompait nous, qui n'a pas de souci. On a tendance à dire que le peuple a mal voté. Moi, je me dis non, que le peuple a pas mal voté. Je me dis, faut une expérience comme ça. Le peuple a ouvert un discours sur lui, c'est là où nous retrouver, lui voter. Ou tromper. Donc, à partir de ce moment, selon la Constitution, vous êtes parjure. Ce n'est pas le peuple qui mal voté, c'est vous qui parjure. Parce que vous n'avez pas respecté exactement ce que vous avez fait pour dire, ce que vous avez fait pour dire. Vous avez fait seulement pour ça.
Est-ce que la Constitution n'a pas prévoir à ce que les autorités pas appliquer et violer la Constitution pour être capable de payer une sentence? Mais bien évidemment, surtout le président de la République. Bien évidemment, surtout le président de la République. Par exemple. Alors naturellement, nous allons parler de président. Par exemple, si tu as regardé, moi, ou bonjour, alors excusez-moi si je fais personnalité, je vais rentrer là. Mais comme c'est un acteur du système, donc je vais parler de lui. Oh, bonjour, Mchita, moi, j'ai un problème avec les citoyens que je dis à très opulent, nous, là, André Michel. André Michel a un problème avec la justice et puis le présenter devant le tribunal, devant le commissaire gouvernement. Anel Bézier, comme député, prend mitraille de prendre devant. Mais écoutez, si nous avons fait pays, maintenant, ça ne va pas passer dans aucune société, côté nous n'avons pas fait pays. En elle depuis c'était député en fonction. Là, elle connaît, elle violait l'article 42.1 de la Constitution. L'article 42 de la Constitution qui dit aucun citoyen civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la Constitution et les lois lui assignent. Comment faire les vos bonjour à mitraille sous prétexte que vous gagnez l'immunité? On va prendre un citoyen qui devant le juge. 42, nous violer. Maintenant qu'on y a là. Il dit bien que le président est passible de la Cour constitutionnelle, mise en accusation ensemble de bail comme ça. Et naturellement, il dit que c'est la complicité du système qui fait que le président, pourquoi j'aime juger. C'est la complicité du système. Parce que le président Jovenel Moïse, quelqu'un que j'admire, à la vérité, c'est mon président quand même. Et puis il est en France pour dire que mon cher, il a forcé de nommer 50 juges corrompus en dehors du système. Mais parlez-moi fou, ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça à un pays, on ne fait pas ça à une nation. Mal plus loin, on ne fait pas ça à l'intelligence. Nous intelligents, on ne fait pas ça à une intelligence humaine. Quand vous dites que vous comme président, vous forcez à nommer 50 juges corrompus en dehors du système. Mais ça, c'est grave, alors que c'est déjà là au crime de haute trahison. Un, parce qu'on nomme 50 juges corrompus qui pourraient juger la population sur base corruption. Deux, parce qu'il n'est pas donné, selon la Constitution, au président de nommer les juges, la constitution est claire. Le président n'a pas pour nommer juge. Nous avancé pour plus devant leur poser question si tout nous guettons. Même si nous avons clairement que le président n'a pas gagné autorité ça. Donc automatiquement que le fait dit doublement violer la constitution. Premièrement, violer son serment parce que l'ajouté là pour faire respecter fidèlement la Constitution. Et puis le nommer 50 juges corrompus. Jusqu'à présent, le parlement dit nous qu'il est si corrompu. Nous par contre, si ce n'est pas juste ça qui a protégé le monde dans le pays, qui a bail privilège. Mais deuxièmement, il n'est pas l'autorité pour le nommer juge à partir de ce moment. Il n'est pas un juge imposteur. Okay. Est-ce que aussi toi, tu es capable de dire de là n'importe ça qui ne va pas juger devant aucun juge de pays parce qu'il dit par contre qui est-ce qui est corrompu. Et oui, là, nous rentrons d'emblée dans ça que moi-même, je défends comme point de vue. Moi-même, je dis que pour changer la situation, maintenant, nous en face, il y a des gens qui font sucre, qui pètent l'ampion. C'est un cancer. Il n'y a pas besoin de chercher des pansements, chercher des palliatifs, des analgésiques pour douleur. Maintenant, c'est coupé pour courir bien. Je dis à le système est pourri. Je dis à ce système-là, pas capable encore, il n'y a pas de réponse aux revendications sociales. Maintenant, il faut passer l'éponge et recommencer à nouveau. Je dis à moi-même, moi je dis, si tout le système et les acteurs du système, ça président les gardiens du système, qui vous fait place, qui vous baille la nouvelle génération, qui vous baille une nouvelle génération de monde, parce qu'on a toujours la rivalité ça. Automatiquement que je dis à la c'est opposition de prendre pouvoir, mais qui l'a traversé l'opposition. Mais qui l'a traversé, il prend pouvoir, ça te l'a traversé l'opposition, ce processus automatique, ce sec vicieux lié, et payable, c'est péri comme ça. Si vous comprenez bien, vous êtes jeune, si vous comprenez bien, ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes citoyens qui gravitent autour du pouvoir depuis 1987, à part quelques fois, ils ont quitté les plus dociles d'entre nous, ils ont quitté au fortier entré. Mais ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes citoyens, ce sont les mêmes intérêts économiques, ce sont les mêmes privilèges économiques qui ont gravité autour du pouvoir. Là. Donc à partir de ce moment, moi-même, pour me répondre clairement, je dis au contraire que je dis à mettre là, citoyen, est-ce qu'elle doit présenter devant justice parce que le monde est ce qui est corrompu? Il y a longtemps qu'on nous fait débat ça. Je suis prêt pour ce débat parce que le débat ça me connaît bien pire. Je suis prêt pour ce débat. Prêt pour me prouver, citoyen, que
que normalement la justice qu'il a, c'est une justice qui n'est pas connectée du tout avec les intérêts de la nation. Donc personne ne doit présenter devant eux. Et puis devant la bonne dépression.